Alors, people and baby. Ça veut dire peuple et bébé. People and baby, stylisé people and baby, est une entreprise française gestionnaire de crèches en délégation de services publics ou pour des entreprises. Créée en 2004, elle compte en 2022 environ 700 établissements en France et 150 dans le monde entier. En 2022, après le meurtre d'une enfant, l'assassinat dans une des crèches du réseau. Alors, il s'agit d'une petite. Elle s'appelait Lisa, paix à son âme. Elle avait 11 mois, même pas un an. Et elle a été assassinée au desktop. Le desktop est un produit dangereux qui est utilisé pour. Pour les toilettes, pour dégripper les toilettes, c'est-à-dire pour quand les toilettes sont bouchées. C'est radical, c'est acide ou basique, enfin dans tous les cas, c'est super efficace. Donc c'est super dangereux aussi. Des plaintes pour maltraitance sont déposées par des parents, ce que le groupe conteste. Alors en fait, j'ai entendu parler d'un truc de ouf. C'est qu'en fait, ça continue. Hein. C'est ça le truc. Donc histoire, création en 2004, la réglementation française évolue, accordant d'importantes aides publiques aux entreprises du marché des crèches privées. Alors, moi, je comprends pas comment. Enfin, je vais vous dire franchement, moi, je mettrais pas mon enfant dans une crèche. Mes enfants, c'est plus précieux que l'or, les enfants. Tu mets pas ton or dans n'importe quelle banque. Et bah, de la même manière, tu mets pas ton enfant dans des crèches, surtout quand ça se passe comme ça. Alors, en ces temps-ci. Donc, voilà, afin de faire augmenter la capacité du parc des crèches dans le pays. Ainsi, de nombreuses entreprises de l'accueil de la petite enfance sont créées cette année-là, dont People and Baby. Alors, en ces temps-ci, Odile Breglin, infirmière puéricultrice, gère la crèche de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Son compagnon, Christophe Durieux, entrepreneur notamment dans le secteur de la communication d'entreprise, lui propose l'idée de créer une entreprise dans la création de crèches. Le couple s'entoure de plusieurs associés, dont Thomas Fabius. Alors là, je vais m'arrêter. Thomas Fabius, né le 16 novembre 1981 dans le 16e arrondissement de Paris, est le fils de Laurent Fabius. Il est dirigeant de plusieurs PME, principalement dans les secteurs de l'immobilier et de la gestion d'entreprise. Bon, du coup, il y a peut-être ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc voilà. Donc ça explique pourquoi certaines affaires sont un petit peu étouffées. Bref, je m'arrête là, c'est pas la peine de continuer.